Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo coloriage terminé de janvier et de février 2022. Alors comme l'année dernière, j'essaie de regrouper du coup les vidéos coloriage terminées sur 2 mois car je trouve qu'un seul mois je fais pas énormément de coloriage alors que là je trouve quand même que j'ai fait pas mal de colo. J'avais tenté de filmer la vidéo de janvier et elle faisait genre 3 minutes, 3-4 minutes donc j'étais là en mode bon. On va attendre quand même de faire tous les colos de février que tu avais envie. Du coup, voilà. Je pense que pour les 2 mois là qui vont suivre, je vais moins colorier, donc pour raison des cours. Et car j'ai commencé à faire ceci. Donc du coup, ce serait... en fait, c'est mon nuancier avec tout mon matériel. Et je peux vous dire qu'il y a du travail. Il y a énormément de travail car j'ai beaucoup de matos, j'ai accumulé beaucoup de trucs. Mais au moins comme ça, ça va me permettre d'avoir tous les swatchs au même endroit et d'avoir tout qui est regroupé dans un seul carnet. Du coup, ça prend du temps. Faire des nuanciers, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, je pense que j'aurai moins de coloriage sur la prochaine vidéo coloriage terminé. En tout cas, janvier-février, ça a été clairement le mois Disney. Les mois Disney. J'ai repris intensément le Disney, j'avais pas mal boudé ça en 2021. J'en avais fait quand même quelques-uns en 2020, mais pas non plus énormément. Et là, depuis janvier, j'ai envie de faire quasiment que ça. Donc du coup, j'écoute mes envies, tout simplement. Mais j'ai pas fait que ça, je vous rassure. Pour ceux qui aiment pas trop, je vous les montrerai enfin. Là, je vais vous montrer tout ce qui est hors Disney et ensuite, je vous montrerai ce qui est Disney. Tout d'abord... comme je vous l'ai dit sur la vidéo, tous mes coloriages réalisés de l'année 2021, j'ai un challenge en cours avec Abby Ink. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de sa chaîne Twitch en barre d'infos. Et vous avez son Instagram à chaque fois que je fais un post sur le Sagor, parce que du coup on les fait en duo. Notre objectif était de faire un duo tous les mois à l'intérieur, donc pour avancer le livre, car pour elle c'est un de ses livres les plus avancés. Et moi, il fait partie voilà, des plus avancés et c'est pour toutes les deux un livre qu'on aimerait terminer. Du coup, on s'est lancé le challenge de faire un duo par mois. Donc, il y a eu un petit couac ce mois-ci, mais c'est pas grave, on s'est rattrapé. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore le post de février au moment où je tourne la vidéo, donc le 2 mars. Mais d'ici qu'elle sera en ligne, je pense dans la semaine du 10, parce que du coup, j'ai préparé d'autres vidéos d'ici là, elle sera postée la photo. Voilà. Donc... c'est parti. Tout d'abord, donc du coup ça c'est celui de février. Je vérifie que je suis bien cadrée. Hop, parfait. Donc ça c'est celui de février, donc mon petit cheval aquatique. J'ai utilisé énormément de stylo gel dessus, surtout de la marque. Ça c'est pratique. Je crois pas l'avoir mis en plus. Ah, je l'ai pas mis. Ok. Sakura, les Moonlight. C'est un pack en fait de 15 couleurs très naturelles que j'aime beaucoup travailler pour camoufler les lignes ou rajouter des touches par-ci par-là. Le fond a été fait avec une acrylique métallique Sostrengren que j'aime beaucoup, voilà. Comme vous pouvez voir, ça brille. Et j'ai pas grand-chose à raconter dessus, j'ai fait énormément de mélanges de gamme, du Intense, du crayon aquarellable, des prismas, des pastello. Des Giotto style nouveau pour les nénuphars. Du colline aussi, je crois. Mais j'en suis pas sûre. Voilà, j'ai énormément mélangé mes gammes sur ce coloriage. Et Posca pour les boules, les petites billes blanches. Donc voilà pour ce colo. Et au mois de janvier, donc il a déjà été mis en ligne. Bien sûr, je mets un marque-page, je l'utilise pas. c'était celui-ci. Donc j'avais déjà fait la page d'à côté pendant du coup l'année 2020. Donc c'était il y a 2 ans quand même. Et cette fois-ci, du coup, elle a choisi de faire l'ours, voilà. Parce que chaque mois, on choisit chacune notre tour le duo. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa version aussi sur Insta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, j'ai fait l'ours full crayon aqua et j'avais pas d'idée pour le fond. Donc, j'ai fait acrylique. Acrylique noir, voilà, j'ai badigeonné. Et ensuite, j'ai utilisé les interférences de Action, donc en fait ce sont des acryliques. C'est bien d'avoir les swatchs. Par contre ils sont ouf là. Ce sont en fait des acryliques qui fonctionnent comme les aquarelles Van Gogh, vous voyez.
Donc sur papier blanc, ça fait juste un reflet. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et sur le noir, en fait, les couleurs ressortent. Bah du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des taches de peinture et c'est la peinture acrylique de Action. Elle est vraiment pas chère et elle fait le job, hein, moi je trouve. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas si ce genre d'effet vous plaît à vous les procurer. Donc voilà pour les collodents de Sagor Oxagnar. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Lulu Mayo, un million Magical Creatures. Et le colo était entièrement réalisé au Giotto Style Nouveau. J'ai rajouté aussi de la paillette Stickles pour les ailes et les bubules. Mais du coup, j'avais très envie de refaire des colos en fait avec ces crayons écoliers que j'aime énormément. Voilà. J'ai plein de bébés crayons d'ailleurs dans cette collection. Mais ouais, j'avais envie voilà, de refaire des colos un peu avec du matos pas forcément artiste. Puis vu que là j'étais allée chez mes parents pour ce moment-là, enfin au moment où j'ai fait ce colo, je voulais un petit format, vous voyez. Donc du coup voilà, je t'ossile nouveau petit format, c'est parfait quand on part en voyage. Donc voilà, j'avais énormément aimé le réaliser et vous avez aussi beaucoup plu sur Insta. Donc voilà, j'ai pas grand chose à raconter dessus à part que j'aime les paillettes. J'aime les paillettes, j'adore les grenouilles et j'ai adoré comment j'ai fait mes nénuphars. D'ailleurs, il y a un réel, enfin c'est une sorte de mini tuto pour vous montrer comment je les ai réalisés sur mon Insta. Donc le lien est aussi en barre d'infos, hein. Instagram coloriage, les colos de Dragon. Voilà. Ensuite, un colo qui vous a aussi beaucoup plu sur les réseaux sociaux. J'ai prévu de faire un tutoriel pour le fond. On m'a demandé aussi un tutoriel pour la fumée. Voilà. J'ai réalisé voilà, le fond au EasyInk. Donc c'est des encres en pad. Encre Winsor et Newton pour faire les petites étoiles, du Posca, du Colleen. Et de mémoire, j'ai mélangé du Colleen et du Color Soft pour faire mon effet sur la lanterne, mon effet bronze. Car je ne trouvais pas exactement les teintes dans les deux gammes. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé les Color Soft sur le papier Jill Smith. C'était plutôt sympa. Voilà. Oui, parce que du coup, j'ai craqué sur de nouveaux Nakazan. Vous allez voir, j'ai craqué sur énormément de livres cette année. Et d'ailleurs, bah, du coup, il y en aura beaucoup dans la prochaine vidéo, donc qui sera un update de ma collection. Mais pas en mode toute ma collection, car j'avais déjà fait 4 volumes, donc vous pouvez voir sur l'écran. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire comme les Américaines, pour éviter de vous reposter chaque année ou tous les 2 ans, du coup, une vidéo, s'il n'y a pas beaucoup de changements. De vous faire en fait une autre partie en plus avec les derniers livres que j'ai achetés. Donc du coup ce sera tous les livres que j'ai lus depuis la vidéo qui est sortie en 2020 je crois, peut-être 2021. En tout cas voilà, j'ai à peu près une quarantaine de livres, malheureusement. Malheureusement et heureusement. J'ai fait beaucoup de craquage depuis le début d'année, genre vraiment j'ai dû m'acheter une vingtaine de livres depuis janvier, c'est du n'importe quoi. Mais bon, ça me fait plaisir, c'est le principal. Donc ouais. Donc voilà pour ce livre aussi, pour ce coloriage, je vous montre. Donc je pense qu'au moment où vous aurez cette vidéo, je pourrai vous mettre une petite pancarte pour vous dire quand sort le tuto. Voilà. Parce que je voulais me faire la main avant sur d'autres tutoriels, donc il y en a eu 3 qui ont été mis en ligne. Car celui-ci allait être plus compliqué niveau montage et niveau explication. Du coup je voulais me refaire un petit peu la main. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Fantasy Kingdom de Juliana Emerson. Donc c'est un livre que je possède depuis des années, mais que je n'allais pas. Voilà, tout simplement. Comme beaucoup, je pense. Je vous avais prévu une vidéo, mais le livre n'est plus disponible sur Amazon. Je ne sais pas s'il va revenir à un moment. Je pense que dès qu'il reviendra, je vous mettrai du coup la vidéo présentation. À part si vous voulez que je vous la poste sans que vous ayez de lien, parce que du coup, ce serait vous montrer quelque chose qui n'est plus achetable. Du coup, vous tentez sur quelque chose que vous ne pouvez plus acheter ou trouver un peu comme le Emily de l'Auberg, là, le Sagor Oxagnar, réussir à le trouver d'occasion. C'est comme vous voulez. Alors, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc, j'avais celui-ci qui est toujours en cours. Hein. Il faudrait que je me bouche le popotin pour finir la pomme et pour faire mon encadrement noir. Mais en tout cas, j'ai fait celui-ci. Et j'ai un duo à faire aussi bientôt parce qu'elle a déjà terminé. Moi, je ne l'ai pas commencé. Mais du coup, voilà, j'ai un duo à faire aussi dans ce livre-ci.
Voilà. Mais du coup, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai testé à fond dessus les Brut Funer. Donc, ce sont des crayons que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Je les ai achetés en janvier et que je suis en train de tester. Voilà, j'ai beaucoup aimé déjà sur le papier Amazon. C'était cool. Mais du coup, voilà, c'était une bonne, un bon petit test. Ensuite, il y a, comme d'hab, le stylo gel Moonlight de Sakura. Winsor & Newton, du coup, pour les étoiles. Et j'ai fait le tour avec de la peinture noire pour faire mon encadrement. Et stylo gel, ouais. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà pour ce petit colo, j'ai bien aimé. Alors j'avais galéré à faire la peau au Brut Funer. Mais parce que j'ai l'habitude de faire la peau aux Luminance ou au Prisma, donc c'est normal que je galère un petit peu. Ensuite, on arrive sur le dernier colo qui n'est pas Disney. Mais vous inquiétez pas, il y en a encore 6 derrière. Je suis en train de compter. Donc du coup, j'ai craqué, comme beaucoup, sur le boule de poil. Donc merci à mes colo copines de m'avoir tant tâté. Et du coup, j'ai déjà baptisé le livre. Je l'ai depuis moins d'une semaine et je suis à mon deuxième coloriage à l'intérieur. Mais comme vous pouvez voir, c'est un format qui est vraiment idéal. Parce qu'il est petit, rentre dans le sac. Et par exemple, j'avais 3 heures de train. C'était parfait niveau format. Même si j'ai pas colorié, mais voilà. Alors j'ai eu un petit couac avec les chalk markers. Ils m'ont taché la page d'à côté, c'est pas grave. Je pense que si je gomme, il n'y aura pas de souci. Mais du coup, j'ai réalisé celui-ci. En colo pas prise de tête et tout, j'ai voulu faire un test sur le fond. Un petit fond avec des hachurages, ce genre de truc, des taches de couleur. Je suis mitigée, mais voilà. Si vous voulez un tuto pour ce type de fond, n'hésitez pas. Mais après, c'est très très simple. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander ça aussi en commentaire. Si vous me le demandez, je le ferai. Alors, fais aussi aux Giotto Stinovo, parce que du coup, j'avais les Giotto avec moi. Derwent Intense aussi, blendé au feutre alcool. Posca. Et voilà. Ça a été fait le 28 février. C'était vraiment il n'y a pas longtemps. Les jeunes en cours. Vous le verrez en mars, voilà. Vous le verrez sur la vidéo de mars et avril. Bon, maintenant, nous allons passer au coloriage Disney. Comme beaucoup, hein, j'ai acheté le à table, voilà. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que les illustrations sont très jolies et c'est des scènes. Et je sais que je vais continuer à acheter du Disney, ce que j'ai vu là, les sorties qu'il y a de tout ce... Eh, franchement, tout ce premier trimestre là de l'année, ils nous ont sorti des pépites là, le Home Sweet Home, j'ai hâte de le voir moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà de quoi faire, franchement, je me suis acheté 6, 7 livres, ouais, 7 livres Disney en 2 mois. Ouais, donc du coup, j'ai réalisé un colo dans le à table, et c'est un colo que vous connaissez bien. Étant donné que j'ai réalisé 2 tutoriels dessus. Donc le tutoriel comment faire le fond avec du coup en dégradé avec les crayons à cire. Donc les crayons à cire, c'est des crayons, vous savez, pour enfants. Peut-être que vous en avez justement si vous avez des enfants ou quoi, qui traînent en fond de tiroir en mode je sais pas quoi en faire. N'hésitez pas, technique économique pour colorier. Voilà, je vous ai fait la vidéo, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien des 2 vidéos. Et parce que je vous ai fait aussi le tuto Efferbe. Avec ces fameux crayons-là. Donc j'ai adoré le réaliser. C'était sur le premier colo que j'ai testé les Intense avec les blenders à encre à alcool. Bah, je peux vous dire que cette technique m'a réconciliée avec les Intense. Parce que j'en avais pas énormément. Enfin, j'ai pas toute la collection. Je les ai pas tous. Et du coup, j'ai envie de compléter justement ma gamme pour les avoir quasiment tous. J'ai pas envie d'avoir tous les gris. Je trouve que les gris se ressemblent beaucoup dans cette gamme, du coup je pense pas tous les prendre. Mais en tout cas, j'ai très très envie justement de compléter ma gamme de Intense pour pouvoir continuer à m'amuser comme une petite folle. Voilà. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée et de l'aquarelle Metallic Accents de Prima pour faire un petit peu mes feuilles. J'ai fait des feuilles en fait en plus. Voilà. Sinon colline. Giotto Stinovo, ça c'est mon combo parfait, hein. Intense Giotto Stinovo en ce moment, je les utilise tout le temps. qu'est-ce que j'ai fait de plus? Oui, j'ai utilisé du stylo gel or sur le feu, j'avais vu ça sur une vidéo américaine ou anglaise. En tout cas, elle parlait anglais. Et je trouvais ça trop joli.
j'ai voulu tester et technique adoptée, j'aime beaucoup. Voilà. Et après, bah, du coup, un petit peu de Posca pour quelques traits. Et j'ai fait l'herbe au brut fenard. Voilà. Quelques petits brins d'herbe au brut fenard. Et j'ai aussi nouveau, ça je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai adoré aussi le réaliser. Alors, surtout qu'en plus, c'était pas forcément le coloriage qui m'inspirait le plus dans le livre. Mais j'étais là pendant 15 minutes à le feuilleter en mode Maïlis, qu'est-ce que tu peux faire, je sais pas. Et du coup, j'ai demandé à monsieur de choisir. Là-bas, monsieur, il a choisi celui-ci. Voilà. Donc au moins, il est fait, je suis contente. Et j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas quand je vais retourner dedans. Peut-être non, pas trop longtemps. En tout cas, voilà, vu que j'ai envie de commencer tous mes livres, j'ai tendance du coup à aller dans ceux que j'ai pas encore commencé, des derniers que j'ai achetés, vu que j'en ai acheté 7 ans de moi. Voilà. Donc du coup, j'ai tendance à aller dans les livres que j'ai pas encore commencé. Mais j'ai adoré, voilà, le réaliser et j'ai hâte d'en faire un autre. Voilà. Je m'éclate. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage, donc que vous avez vu aussi sur Insta. De toute façon, il y a très peu d'exclusifs. Il y a que le bout de poil, je crois. Ouais. Boule de poil et le premier dans le Sagor. Donc colo dans le bloc vie sauvage, c'est celui-ci. Donc j'ai fait Coda, j'avais trop envie de faire des colos de Frères des Ours, car dans tous les blocs là que j'ai acheté, il y en a énormément. Du coup, je me les suis re-regardé, c'était trop bien de regarder le dessin animé en même temps que faire le coloriage, c'était vraiment génial. J'ai fait le fond du coup au crayon de couleur, j'ai voulu tester fond pour faire un peu les fonds aquatiques. Car j'ai beaucoup de colos avec des sirènes, ce genre de trucs. Et je sais jamais quoi faire. En général, je fais un dégradé bleu. J'ai pas trop d'idées. Mais du coup, là, j'avais testé cette technique. Qu'on m'avait d'ailleurs demandé en tuto. Faudra que je vous le filme. Un de ces quatre. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé à fond les collines, les crayons aquarellables pour faire Coda. Et voilà, de la paillette. De la paillette. Voilà. Stickers. C'était mon cadeau de moi à moi pour du coup Noël. Et je me suis complété ma gamme de stickers. Du coup, je les utilise partout. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les paillettes. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et ensuite, j'ai commencé un livre que je m'étais acheté en août en même temps que le vilain. Le vilain, je l'avais commencé directement. Mais j'ai pas fini mon colo dedans. D'ailleurs, il faut que je tente de le terminer pour les défis de Bulle d'Arc-en-Ciel. Mais j'avais pas encore commencé le Histoire éternelle. Je l'avais mis de côté, puis ça m'est venu comme une envie de pisser, comme on dit. Hein. Et j'ai voulu le commencer. Résultat, Maïlis en a fait 3 en janvier et j'en ai fait un 4e, voilà, en février. Et ben, je suis très contente. Alors, ce truc qui me kikine avec ces livres Hachette, c'est dès que tu le commences, il s'ouvre. J'ai l'impression qu'il parle, vous voyez, genre en mode « Coucou Maïlis, viens me colorier !» Là, je suis en train de me dire que quand je vais monter la vidéo, je sais pas si je vais le laisser. En même temps, ça pourrait vous faire rigoler. Donc voilà, j'ai fait un colo dans le Histoire éternelle, donc Disney Hachette. Je sais plus, je crois que c'est Tracy Sosa peut-être. Non, c'est Nathalie Lavaux qui a fait le livre. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc le premier que j'ai réalisé à l'intérieur, c'est celui-ci. Donc du coup, c'est un coloriage de Alice. Donc j'avais pas d'idée, du coup j'ai fait ça avec l'application Petit Colo. J'ai tiré au sort. Alors je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Mais c'est une application qui a été créée par Colorimi et son conjoint, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont créé une application de tracker de coloriage. Du coup, c'est vraiment bien parce que moi, ça me permet de pas avoir un nouveau carnet avec tous mes trackers. J'ai tout sur l'application et il y a plein de fonctionnalités vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et du coup utiliser l'application. Ça fera un très bon soutien pour Petit Colo. Je vous mettrai le lien Instagram de leur page lié à l'application du coup en barre d'infos. Donc petit aparté terminé. Voilà, j'ai réalisé ce colo à fond avec les crayons aqua. Donc Aline me tentait beaucoup depuis un petit moment sur les crayons aquarellables que je boutais un petit peu ces derniers temps. Je les ai utilisés une ou deux fois je crois en 2021. C'est une technique que j'avais tendance en fait à mettre de côté. Je me disais ouais ça va être super long et tout, alors que en fait ça va, c'est pas plus long que à sec. Et du coup là depuis début d'année j'utilise énormément de l'eau et le blender à alcool. Genre... J'ai pas fait beaucoup de colo à sec, comme vous avez pu voir, à part dans le Sagor et celui-ci.
je... Ah non, il y en a quand même quelques-uns. Mais ouais, j'ai utilisé beaucoup de techniques aquarellables. Donc fond à l'aquarelle, mais je suis pas très contente. Je voulais en fait m'acheter, j'ai acheté une aquarelle de 100 teintes sur AliExpress pour tester, puisque j'avais pas forcément envie d'utiliser mes aquarelles extra fines pour le coloriage. Résultat, il faudrait que je fixe. Et j'ai pas encore fixé. Regardez la page à côté. Et en fait, il y a les pigments qui se barrent. Donc je vous conseille pas. Pour ça, je vous mettrai pas le lien. C'est un peu enquiquinant. Il y a des aquarelles qui sont aussi de qualité étude, qualité écolière, et qui pour autant ne me font pas ça. Donc je ne conseille pas forcément. Ensuite, comme d'hab, mon flashé bronze, ma peinture bronze pour faire le cadre, ça change pas. Et voilà, crayon aquarellable, j'autostyle nouveau, et j'ai utilisé pas mal de Lumocolor blanc, car du coup je venais d'en avoir un, et j'adore les Lumos. Ça va faire partie de mes blancs préférés, je pense. Ils sont trop bien. Voilà. Donc ensuite, je vais pas m'attarder un peu plus. J'ai fait celui-ci en février, que j'ai adoré. J'avais envie de faire un truc un peu dansant, un peu truc. J'avais déjà l'idée de faire le fond violet. Et dessus, j'ai utilisé... j'ai utilisé ceci. Alors... Donc j'ai utilisé ceci, donc ce sont des aquarelles du coup caméléon pour celle-ci et des sparks pour celle-ci. Voilà, j'ai utilisé que les caméléons, celle-ci, celle-ci et celle-ci je crois de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc pour faire mon fond, je sais pas si on voit bien la paillette. Si on voit. Voilà. Et j'aime trop l'effet, c'est trop beau. Moi qui adore les paillettes, j'ai envie d'en mettre partout. Ensuite, pour faire tout ce qui est notes de musique et tout, j'ai utilisé du stylo gel, Chalk Marker et les Moonlight de Sakura. En général, c'est le combo que j'utilise le plus. J'adore, ça brille, bref. Puis, j'ai estampé du coup avec le blender à essence. Donc, pour ceux qui se le demandent, hein, utiliser le blender à essence, ça ne traverse pas. Donc, sur les crayons à quoi. Je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est une anglaise ou une américaine. Qui avait fait une vidéo là il y a à peu près quoi 2 semaines sur du coup cette technique. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir ça. Mais du coup j'ai testé et j'ai adopté. Moi je savais pas trop quoi faire avec mes blenders, j'utilisais rarement, j'utilisais les feutres à alcool. Bah là voilà, ça me va très bien. Donc du coup voilà, blender, enfin intense blindé au feutre à alcool. Et ensuite j'autostyle nouveau, donc pour tout ce qui est ombrage, voilà. Je vous ai dit, on ne change pas trop une équipe qui gagne. Hein. Voilà, j'ai adoré le faire. Je suis dégoûtée parce que j'ai fait quelques tâches. Alors, je suis toujours Miss Cracra pour le coup, je fais toujours des tâches. Sauf que les personnages, ils sont blancs de base. Ça va être enquiquinant de pouvoir rattraper ces tâches de couleur. Là aussi, j'en ai une. Voilà, ça n'aurait pas pu se centrer sur le fond. Non, ça se centrait sur le blanc. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, mon petit Wally, donc aussi en janvier, que j'ai adoré réaliser. Fond aquarelle, je me suis lâchée sur l'aquarelle nacrée et la peinture blanche pour faire mon fond. Voilà, j'avais envie genre, que ça fasse un peu pluie d'étoiles, vous voyez. Vraiment, vraiment qu'il y ait énormément d'étoiles. Et voilà. Du coup, j'ai utilisé des aquarelles nacrées de Action. Il y a de la violette, de la bleue. Il y a une sorte de bleu glace, vous savez, un peu gris, qui est très très belle. Du coup, je l'ai mis et blanc. Voilà, peinture blanche. Du coup, j'ai adoré. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça va, on voit. Voilà. Ensuite, crayon aquarellable à fond, surtout pour les météorites que j'ai retravaillé après au j'autostyle nouveau. Et j'autostyle nouveau, le petit personnage qui est là. Voilà. Donc je suis très contente du résultat, le petit Wally, il est trop mignon. Et voilà, j'ai pas grand chose à raconter dessus, j'ai adoré voilà, le réaliser. Et nous arrivons du coup au dernier coloriage, qui est ma petite Cendrillon. Pareil, j'ai adoré la réaliser, donc comme d'hab, des petites taches. Mais bon, là c'est sur le fond, c'est pas très grave. J'ai adoré la réaliser, pareil, crayon aquarellable, fond aquarelle, peinture nacrée du coup en tache sur le fond. Il y a un petit peu de stickles au niveau d'ici, au niveau de quelques taches dans le fond, et ces boucles d'oreilles.
J'ai adoré le réaliser, ça a été un gros coup de cœur et vous avez beaucoup aimé d'ailleurs aussi sur Instagram. Voilà, j'adore. J'ai pas grand chose à raconter dessus, à part que ça a été un gros kiff. La robe a été tellement longue à faire, mais ça a été tellement bien, donc c'est pas grave. Voilà, toujours crayon aquarellable, ensuite jute aussi nouveau. Ça a été les crayons des deux derniers mois. Je vous ai pas dit beaucoup d'autres marques. Donc ouais. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo du coup ce sera la vidéo collection livre de coloriage partie 5. Avec du coup tous les derniers livres que j'ai pu m'acheter, tout ça tout ça. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour du coup me dire quel a été votre coloriage préféré. S'il y en a que vous voulez voir en tutoriel, ce genre de choses. Et sur ce je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.